Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour WatchOS 4 et ce qu'elle nous a apporté. Et je trouve que on a une superbe astuce qui a été mise en place par Apple. Ça va être la lampe torche. Comment on va trouver la lampe torche sur notre Apple Watch? On va tout simplement activer notre écran et on va faire glisser deux doigts. Pour vous les voyants, un seul doigt du bas vers le haut. Et pour nous, avec VoiceOver, deux doigts du bas vers le haut. Ici. Lampe torche. Bouton. Désactivé. 96% de charge restante. Bouton. On arrive donc sur le centre de contrôle. Et ce centre de contrôle nous réserve différentes choses. Ici. Mode avion. Bouton. On va pouvoir activer le mode avion. Couper le micro. Bouton. On va pouvoir couper le micro. On va même pouvoir, par exemple, faire sonner notre iPhone. Ici, si je clique. Parfait, notre iPhone a sonné. On est capable de pouvoir le retrouver n'importe où il se trouve. On refait. Et lampe torche. Dans un premier temps, quand on lance ce mode, on a tout simplement l'écran de la montre qui devient tout blanc. Alors ça peut être pas mal lorsque vous êtes par exemple une maman ou vous êtes dans le noir et vous rentrez du travail, vous cherchez le trou de serrure de votre voiture. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir tranquillement voir pour les malvoyants, pour les voyants, le trou de serrure, etc. On va pouvoir ça. Page 2 sur 3. Lumière stroboscopique. Lumière stroboscopique. Ce qui veut dire que ce qui peut être là aussi parfait, vous êtes malvoyant. Vous êtes dans la pénombre et quelqu'un vous cherche, vous allez pouvoir capable de vous faire repérer avec votre montre. Je trouve ça super astucieux. Et on peut avoir cette lumière stroboscopique. Page 3 sur 3, la lumière rouge clignotante. Via de la lumière rouge clignotante. C'est vraiment très astucieux. Je trouve ça vraiment parfait quand on est malvoyant et qu'on veut se faire repérer par quelqu'un de voyant. Mode spectacle. On a un mode spectacle. Désactivé. Activé. Ce mode spectacle va vous mettre la montre en mode repos total. C'est seulement si vous allez toucher votre écran que elle va sonner ou elle va s'allumer. Mais sinon, rien ne va se passer. Et comme son nom l'indique, par exemple, si vous allez au cinéma ou au théâtre. Airplay. Et on va pouvoir. Désactiver. AirPods de Christophe. Envoyer le son de notre Apple Watch sur nos AirPods pour pouvoir soit écouter la musique ou écouter VoiceOver. Donc gérer notre montre en silence dans nos oreilles pour éviter que tout le monde entende ce que l'on fait. Lampe torche. Active. Page 2 sur 3. Lumière stroboscopique. J'ai trouvé ce paramètre très astucieux car si quelqu'un vous cherche dans la pénombre ou dans le noir complet, vous allez pouvoir faire clignoter une lumière blanche et vous faire repérer. Ou si vous êtes par exemple en pleine campagne et malheureusement vous avez eu un problème de voiture, vous allez pouvoir vous faire repérer avec votre montre par ce réglage qui est plutôt astucieux. La lampe torche sur votre poignet. Voilà, donc cette vidéo est déjà finie. Je voulais vous faire profiter de cette petite astuce que j'ai trouvée juste après l'installation de mon WatchOS 4. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut !